c'est d'abord Ludmila Tcherina, plus actrice qu'une actrice, plus danseuse qu'une danseuse, aussi femme que peut l'être une femme. Ludmila Tcherina qui n'a pas hésité pendant 5 mois à défigurer son corps au nom de l'harmonie, à tordre son visage au rythme de l'amour, de la folie et de la mort. Sur le plateau, pour une fois sans rumeur des amants de Teruel, elle est venue vers nous, son rôle autour d'elle comme une tunique que l'on ne peut plus enlever sous peine d'arracher la peau en même temps, frêle à la fois et forte, impératrice, mais aussi victime. Ludmila Tcherina, avec vous, on n'a pas envie d'utiliser le langage habituel de l'interview d'actrice. D'abord parce que vous êtes une actrice différente des autres, et puis peut-être aussi une personne pas tout à fait comme les autres. Est-ce que vous sentez cette différence? Je ne sais pas si je suis différente des autres, mais ce que je sais, c'est que j'aime ce que je fais, intensément. Et je suis heureuse de créer, de, comment dirais-je, de danser, de jouer la comédie quand je peux. Je veux dire, est-ce que, par exemple, vous avez l'impression de faire le même métier que Brigitte Bardot ou Michel Morgan? Non, parce que je ne me suis jamais considérée comme une vedette de cinéma. J'ai jamais été une vedette de cinéma. J'étais toujours une artiste de théâtre qui a fait quelquefois du cinéma. Mais en fait, je suis, et je crois que je suis, une personne qui a été élevée pour être et pour faire du théâtre. Et lorsque vous tournez, par exemple, est-ce que vous n'avez pas tout le temps cette peur terrible que l'on dise, elle joue la comédie, mais c'est une danseuse? Non, parce qu'au fond, la danse, c'est plus grand, c'est plus beau que ce qu'on croit. Parce qu'on s'imagine que la danse, c'est tout des girls, ou alors une femme qui a un tutu classique, n'est-ce pas? Mais la danse, c'est autre chose. La danse, c'est l'exaltation du corps. Comme la tragédie, c'est l'exaltation de la parole. La danse, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain. En fait, c'est la première expression de l'être. Quand l'être commence à réagir, il bouge, donc il danse, si on veut. C'est une école très difficile. Je crois que la danse est le métier du spectacle le plus dur, moralement et physiquement. Mais c'est une école où on devient très vite un professeur. C'est assez dangereux. On croit, oui. Bien, c'est-à-dire que la danse est à double tranchant parce qu'en fait, une danseuse classique, quand elle est une étoile, croit qu'il faut toujours danser le grand répertoire, c'est-à-dire le Lac des Cygnes, Gisèle. Mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ce classique vous enferme dans un corset de fer, qu'on fait du mimétisme, parce que quand on danse Gisèle ou le Lac des Cygnes, il faut le danser comme celle qu'il a créée, c'est-à-dire si c'est Gisèle, comme Carlotta Grisi. Et en fait, c'est un peu du mimétisme. Ça, en tous les cas pour moi, je me sens serrée dans une œuvre classique. J'aimerais donner ce que je suis, la femme de 1960. Et malgré tout, c'est une œuvre romantique. Et nous sommes obligés de danser comme la première qui a dansé Gisèle. Comment est-ce qu'elle est la femme de 1960, d'ailleurs 62, que vous êtes? Eh bien, est-ce qu'elle n'aime pas danser Gisèle, si j'ai bien compris? Elle aime danser Gisèle, mais elle aime surtout créer. Et je crois que la danse est l'art de la paix, parce qu'en fait, c'est le folklore de tous les pays réunis. Et quand on danse, en fait, on danse tous les folklores, c'est-à-dire le folklore russe, le folklore espagnol, le folklore français, le folklore noir. Et c'est un art qui... On tient le monde dans son corps. Moi, je trouve ça beau. Où en est la danse en ce moment? Vous trouvez qu'elle n'évolue pas assez vite que des autres arts, par exemple la peinture, progresse plus vite que la danse? Eh bien, vous comprenez, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand on voit un homme comme Picasso, qui est... il a eu une peinture très académique. C'est un homme qui a commencé par un dessin excessivement pur. Et il a essayé d'aller de l'avant. Enfin, les grands peintres ne peignent pas comme Delacroix. Ça serait ridicule, ça serait pas un grand peintre. Delacroix était bien à son époque, mais pas maintenant. Alors la danse, pour moi,
Il faut que c'est la même évolution. Il faut que la danse donne que nous soyons le témoin de notre temps, que dans 100 ans, on puisse danser des ballets comme Gisèle à l'époque romantique, vous comprenez. Il faut qu'on trouve d'autres costumes, il faut qu'on trouve d'autres émotions, l'émotion de notre vie, l'émotion de notre souffrance, parce que nous vivons une époque épouvantable, je trouve. Est-ce que vous avez mal quand vous dansez? J'ai toujours mal quand je danse, mais j'ai mal et... Vous savez, la danse, c'est un art érotique aussi, c'est... Qu'entendez-vous par là? Je trouve que c'est l'art le plus près de l'amour. En fait, la danse est beaucoup plus grand, vous comprenez? Il faudrait qu'on se libère de la pointe avec le cordon de chausson qui fait romantique, le tutu, le corselet bien serré. Il faut laisser le corps libre. La danse, c'est la nature, quoi. Emea Tcherina, ça fait toute une journée que nous voyons tourner et nous avons cette impression assez curieuse que vous brûlez par l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui joue la comédie, c'est quelqu'un qui s'enflamme. On a envie de vous dire, attention, vous allez vous fatiguer, vous n'arriverez pas à arriver jusqu'au bout. Comment est-ce que vous faites pour résister, pour tenir comme vous le faites? J'ai la foi, mais je sais que je m'enflamme parfois même un peu trop. Mais en fait, c'est mon caractère. Et quand parfois je m'enflamme un peu trop, c'est parce que justement je suis passionnée de mon travail et que c'est parce que j'aime les gens qui m'entourent. Parce que dans ce film, c'est une famille pour moi. Je sais que quelquefois on se dispute, et puis quelquefois on a des grandes joies, quelquefois on pleure, quelquefois on rit, mais dans toutes les familles c'est pareil. Le tempérament que vous avez vous porte certainement à ressentir plus violemment que d'autres les succès que vous pouvez avoir, les insuccès. Tout le monde n'a pas toujours été très gentil avec vous. Non, mais je vais vous dire, les ennemis dans un sens, ça sert aussi, parce que leurs critiques m'ont apporté beaucoup. Je crois que le jour où on n'a plus d'ennemis, c'est qu'en fait, on ne veut plus rien dire. Quel est l'insuccès qui vous a fait le plus de peine? Eh bien, mon Dieu, l'insuccès qui m'a fait le plus de peine. C'est très curieux parce que, au fond, je ne me souviens pas exactement ce qui aurait pu me faire le plus de peine. Si, je me souviens. C'est quand j'ai fait Les Amants de Teruel, nous avons présenté le ballet à Paris et il a eu un énorme succès. Un énorme succès public et de critique. Et ça a été pour nous une joie extraordinaire parce que justement c'était du théâtre total, parce que nous essayions justement d'apporter quelque chose, de donner cette chose que j'aimerais, cette fameuse création, ce besoin de se livrer. Et puis nous avons été à Londres et dans le programme il y avait Les Amants de Teruel, il y avait aussi des ballets classiques. Et je me suis aperçue qu'au fond, Les Amants de Teruel n'ont pas plu aux Anglais, ils ont préféré le répertoire classique. Et ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je trouvais qu'on leur apportait cette chose, cette création de notre époque, et que finalement, ils ont préféré toujours le tutu, la jolie coiffure romantique, et le chausson avec ses lacets. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez réagi? Ça a duré très longtemps, votre... Eh bien, je réagis toujours avec beaucoup de... Passion. De passion. Eh bien, je leur ai dit tout simplement que je trouvais qu'ils avaient tort et que si, justement, dans la danse, ils réagissaient comme ça, dans le pays lui-même, en entier, ils devaient réagir comme ça et que c'était très grave. Vous êtes retournée là-bas depuis, pour danser? Non, je suis retournée présenter un très mauvais film qui a eu beaucoup de succès. Alors ça m'a achevé. On dit que pour Les Amants de Teruel, vous avez misé. Est-ce que c'est vrai? Peut-être... Plus que ça encore, parce que Les Amants de Teruel, pour moi, c'est 20 ans de ma vie, c'est tout ce que je désirais faire, c'est la conclusion de ma carrière. C'est un enfant que je portais depuis 20 ans, en fait. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est un film d'équipe aussi. C'est un film que nous faisons tous avec passion, du dernier machiniste au metteur en scène, en passant par l'opérateur. Et c'est ça qui est beau. C'est que c'est un film d'amour. Allons-y, les enfants. Faisons encore les mouvements. Jeu! Doucement au départ, là. Attention, ça branle.
Huitième fois de la journée, il faudra recommencer. Demain, l'Ludmila Tcherina épuisée devra s'arrêter. Le film continue.